Salut les amis, c'est Alban, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien les amis, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Modern Warfare. Et aujourd'hui on va jouer donc sur Modern Warfare dans la nouvelle playlist temporaire qui est disponible jusqu'au 6 et qui rend le jeu Modern Warfare gratuit. C'est Stocked Up Lockdown. Alors quand je dis qu'elle rend Modern Warfare gratuit, c'est simplement qu'en fait elle est disponible pour tout le monde cette playlist, y compris si tu as pas de PS Plus. Et même si t'as pas Modern Warfare, il suffit d'avoir téléchargé Warzone et normalement tu as cette playlist de disponible et tu peux jouer en multi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 6 avril. Donc ma vidéo est un peu en retard mais c'est pas très grave. Et puisque c'est une playlist gratuite et qu'on a même pas besoin d'avoir le jeu pour y jouer, je me suis posé une question ultra légitime, c'est est-ce qu'il y a du skill based matchmaking SBMM dans cette playlist? Est-ce qu'il y en a? Parce que si on suit la logique des choses, cette playlist étant gratuite, je devrais avoir énormément de joueurs débutants avec des petits niveaux entre 1 et 50, je sais pas, ou peut-être un peu plus, entre 1 et 80. Et des mecs du coup qui n'ont jamais joué en multi ou très peu. Après ouais c'est possible, ils peuvent peut-être être niveau 155 uniquement en ayant joué en Warzone. Warzone a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, c'est possible. Maintenant, en 3 jours, les mecs s'ils ont jamais joué en multi sur Modern Warfare, en 3 jours tu deviens pas... un génie du multi comme ça, tu vois. Et donc, pour répondre à ma question, je me suis dit, bah écoute Alban, tu vas faire des games dans cette fameuse playlist gratuite, avec ton compte principal sur lequel tu streams, sur lequel t'as 2,50 de ratio, enfin ton compte de tous les jours, et après tu vas comparer avec ton compte secondaire, là où je fais mes nucléaires en solo, où je fais des gameplays plutôt bons, plutôt corrects, mais du coup qui est un compte reverse boost. Et on va voir tout de suite s'il y a une différence de niveau entre les adversaires. Et on sera fixé si oui ou non il y a du skill based matchmaking SBMM dans cette fameuse playlist gratuite. Et bah écoutez, on va lancer l'expérimentation tout de suite. Oubliez pas le petit pouce bleu les amis, sur les dernières vidéos vous avez assuré, et de vous abonner avec la cloche de notif. En ce moment il y en a pas mal qui y arrivent là sur la chaîne, qui s'abonnent et qui sont nouveaux. Donc bienvenue à vous. Vous avez également tous les réseaux sociaux dans la description, hein. Vous avez Twitch, Twitter, Facebook, Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. Une fois que le pouce bleu il est mis les amis, on peut lancer la vidéo, c'est parti. Putain. Ton ça, ça se voit déjà au niveau des levels. Hein. Genre, y a que des niveaux 155 qui sont dans un mode de jeu, genre où Modern Warfare est censé être gratuit. Ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas sur un mec quick fix, je sais pas comment être. Double time, EOD. Peut-être double time. Putain, les mecs ils ont des shoots laser, ça me casse les couilles gros. Oh là là. Une tarasse gros. Après j'aime bien, tu sais, t'as les mecs qui disent ouais mais quand tu joues avec le SBMM et que t'as 2 de ratio, ça te fait monter en level. Ça fait pas monter en level frère. Quand t'as 2 de ratio et que tu tombes sur des mecs qui ont les mêmes stats que toi, c'est des gros campeurs gros. Parce qu'ils veulent pas perdre leurs stats. Oh. Quoi? C'est ça la vérité. Il n'y a aucune augmentation de level là quand tu joues contre des gens comme ça. Putain. Ah, sérieux. Thank you.
Oh mais ça joue sale, mais ça joue sale, putain, c'est un délire. Oh putain. Au laser, va te faire enculer gros. Ça dégage. T'arrêteras de camper aussi, tu commences à me gaver. Oh là là, putain, sérieux. Oh là là, putain, les spawns, sérieux. Oh, cette blague. Bon, bah, on n'a pas dépassé 4 kills d'affilée, hein. Mais c'est quoi ces campeurs? Mais c'est un délire! Oh là 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 là, mon dieu! Ouais, je vais vachement monter en level en jouant contre des gens comme ça en permanence. Ah, oh, je crois que c'était un allié. Putain. Il a pas bougé, hein. Toujours là. T'es mal le spawn, gros. C'est pour moi, hein, forcément. On est tout seul sur la map, hein. Encore casse. Pardon? D'accord, le spawn, ouais, comme d'hab en fait. C'est un délire. T'es déchiré, mais bon, incroyable quand même le duel là.
Regardez le spawn, ça va me respawn devant. Eh oui, ce spawn là, bah oui. C'est pour ça que tu m'attends, tu le sais. Les spawns sont pétés, gros. Ah là là. Putain, t'es à l'inverse du point, gros. Ah oui, je t'ai vu. Allez, viens, passe. Tu passeras pas parce que t'es un campeur. Allez, regarde, il attend. Il s'est piqué. On se fait remonter au niveau des points par contre là. Le spawn mec. Non, il avait une insert. Allez les gars, un peu du jot. Ah putain. Vas-y, c'est bon, je les rush pas, hein. Ça me saoule. Allez, viens, si tu veux gagner, tu viens. Qu'est-ce que tu fais là, gros? Ah, bah t'as spawn derrière. Oh putain. Mais gros, pourquoi je me fais laser comme ça? C'est un délire quand même. Allez, on la gagne. Nice. Waouh. Ouais, c'est pas le même niveau quand même, hein. Vous pouvez le constater, c'est pas le même niveau, hein. Ça joue sale en fait, ça joue sale de chez sale. Putain, 59-35, ouais bah c'est pas passionnant quoi, c'est nul. Quand c'est comme ça toutes les parties, c'est nul quoi. C'est pas amusant, toutes les parties pareil, c'est chiant. Oh là là, le bon lobby là encore. Il y a un petit niveau 100. Ça devrait pas être un problème. Un autre petit niveau 100, Eco Plus.
Écho plus, on va le mettre dans le panier. Oh là là. Allez, on y va. Incroyable, incroyable l'accueil là. Bon, bah là on a la nuque. Why not? Incroyable hein la bombe. Allez, on continue, on lâche rien. Oh là là, t'es sérieux toi? Ah t'es sérieux dans le coin là? Ah t'as pas bougé. C'est quoi ces bugs? C'est possible de finir une partie complète s'il vous plaît? Entre une partie normale. Parce qu'entre les bombes nucléaires qui se débloquent jamais et les câbles Ethernet qui sont soi-disant débranchés mais en fait ils sont très bien branchés, je commence à en avoir. Bon allez, domination shoothouse. Arte 54, je vais le mettre dans le sac à dos. Super game agent, on va le mettre dans le sac aussi avec la trousse MAPED, le sac ISPAC. Allez, c'est parti. En face, on a deux niveaux au-dessus de 100. Mais ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est une petite bombe nucléaire, ça serait cool, là, ça ferait plaisir. Et si on peut faire la partie entière aussi, ça serait bien. J'aurais juré que t'étais mort. Drone ready
Oui. Oh, je suis pas censé avoir pire normalement là. Ok. Ils peuvent pas envoyer un drone un peu mes alliés là? Ok, bon nu. Bien joué déjà. Let's go. Tente la double. Putain, je l'ai bien entendu là pour une fois. Ok, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. J'ai eu peur d'envoyer la nuque. Alors là, je sais pas comment il a fait pour me rater. Allez. Putain, je rate la double par un lance-roquette. Fuck. Putain, j'ai le seum. Fuck. Ah, j'ai pas de chat. Pas de chat, les gars. Assist your teammate.
Mais c'est pas fini, let's go. On se démotive pas, Allez, allez. On va regarder, attends, Allez. Oh, j'ai l'impression de pas avancer, moi. Un drone les alliés, non? Pas de drone? Ok. On va tenter la triple les gars, allez. Ça va être chaud hein, putain, 151. Il va falloir envoyer de la patate là. J'aurais pu si j'étais pas mort bêtement il y a deux secondes. Ah là là. Par contre, je vois personne, genre. Putain, ça va être chaud. Ah, ça va pas être possible, les gars. Ça va pas être possible. Faut être lucide, c'est pas possible. It's over. Over, man. It's over. Bon, c'est pas mal. Déjà, on aura déjà fait une bonne game, en vrai. On aurait pu limite faire la triple, hein. Putain. Tant pis. Oh my god. Oh my god. Ah bah clairement il y a une différence de level de ouf. Il y a clairement une grosse différence de level. Bon, ça fait plaisir. Là c'est du kiff. Là ça fait plaisir. Quand tu sais que
8 parties sur 10, c'était comme ça sur les anciens Call of, et que ça devrait être comme ça aussi cette année-là, tu te dis, putain, mais Modern Warfare, ça aurait pu être un jeu de fou. Et en plus, on gagne, alors que les mecs ont 201 points. Bon, bah voilà, je l'avais dit, dans le sac à dos, Super Game Agents. Dans le sac à dos, dans la trousse, avec les crayons de couleur. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme vous avez pu le voir de vos propres yeux, c'est deux jeux totalement différents. Il n'y a rien à voir entre les deux comptes. C'est un truc de ouf. C'est le même joueur, la même manette, le même jeu. C'est juste le compte qui change. Et vous pouvez voir, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, écoutez les amis, je ne sais pas si vous avez préféré la première game sur mon compte principal, où finalement j'ai fait je crois 50 kills pour 30 morts, où les mecs jouent leur vie comme pas possible, où à chaque top il y a des mecs qui campent, tous les tirs penchés, les murets, il y a des mecs, ça balance des C4 dans tous les sens, ça joue super sale. Ou alors vous préférez bah, la game que vous venez de voir là, où bah, finalement les mecs en face sont peut-être pas très bons, même totalement nuls, il faut être honnête, mais au moins ça se rapproche vachement plus de ce qu'on avait à l'époque de BO2, MW3, et les gameplays étaient faits sur ce genre de personnes et personne ne disait rien. Donc voilà, moi je suis toujours contre le skill basé de matchmaking, je suis contre le reverse boost, mais malheureusement, bah, pas le choix, c'est les développeurs qui nous obligent à faire ça. C'est soit ça, soit il n'y a pas de gameplay, ou alors si, c'est des gameplays, mais en 50 kills, 30 morts, donc éclaté au sol quoi. Voilà, donc les amis, j'ai besoin d'avoir vos avis en commentaire, donnez-moi vos ressentis, et ce que vous pensez, et qu'est-ce que vous préférez du coup. Et voilà, donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si on peut taper la barre des 500, voire 600 pouces bleus, ça serait super stylé, les dernières vidéos vous avez grave assuré. Donc je compte sur vous pour celle-ci. Et voilà. Donc écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner avec la cloche si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Et aussi de vous abonner sur tous les réseaux sociaux présents dans la description. Twitter, Facebook, Instagram, enfin voilà, vous avez tout dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. C'était Alban. Salut.